de 3000 jeunes venus avec la communauté de l'Emmanuel de tous les coins du monde se sont rassemblés dans le séminaire catholique de Coimbra au Portugal pour le Forum international des jeunes. L'idée, c'est de vivre un moment pastoral fort, un moment de prière et un moment de communion aussi autour du Christ. On propose ça parce qu'on veut vraiment que ces jeunes aient un petit temps un peu de cénacle, qui soit un petit peu plus confidentiel, on va dire, même si c'est 3500 jeunes, mais c'est toujours moins qu'un million et demi, où ils peuvent vraiment se retrouver et plonger d'ores et déjà dans la prière, plonger d'ores et déjà justement dans le thème aussi des JMJ, et donc qu'ils puissent vivre ce temps-là dans un comité un peu plus restreint, avant bien sûr d'aller rejoindre tous ces jeunes du monde entier et vraiment de communier ensemble. We don't belong to Christ, we don't belong to the church by accident. You cannot be an accidental Christian. Le thème du forum, vous êtes tous les enfants de la lumière. Le programme est bien chargé, plusieurs temps quotidiens de prière et d'enseignement sont rythmés avec de nombreux ateliers artistiques et de détente. Je voudrais commencer par une phrase de Jean-Paul II. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la connaissance de la vérité. Ça me plaît beaucoup, on peut rencontrer plein de personnes et je pense que c'est aussi très beau pour s'élever spirituellement, rencontrer des gens qui ont la même foi que nous et pour témoigner aussi au monde entier un peu de la foi que les jeunes catholiques ont. Point culminant de chaque journée du forum, la messe est ce jour-là présidée par Mgr Joseph Bernard Likolo Etumba de République démocratique du Congo. Jeunes, entrons dans cette célébration eucharistique dans la joie qui doit caractériser notre vie et nos rencontres. Ce forum fait partie de ce qu'on appelle pré-journée, donc les jours, la petite semaine avant que les JMJ commencent. Et nous, on organise le forum pour rassembler tous les jeunes ensemble, pour leur donner un message bien clair que tout ça, c'est à cause de Jésus et on veut qu'ils choisissent le Seigneur comme centre de leur vie et que l'événement soit vraiment un événement clé de leur vie. Le forum durera 3 jours. Tous les participants se rendront à Lisbonne lundi pour le début officiel des JMJ. Oh.